Bonjour à tous, c'est Pumpkin Man et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo théorie sur le lore de Hytale et plus particulièrement sur ce à quoi pourrait ressembler le scénario principal du jeu. Je précise tout de suite, cette théorie a été élaborée sur Reddit par notre ami québécois Zergy. Elle fait suite à une réponse de Thomas Frick, lead artiste du jeu, à un tweet de Zergy concernant le logo de Hytale. Zergy a alors décidé d'étoffer sa théorie, que je vais vous présenter avec son accord dans cette vidéo. Petit point de détail, comme c'est une traduction, je vais utiliser le jeu à de nombreuses reprises. Sachez qu'il représente Zergy, l'auteur de la théorie, et non pas moi. Maintenant que tout cela est dit, allons-y, plongeons-nous ensemble dans le lore de Hytale. Comme vous avez pu le voir dans mon tweet à Thomas, tout commença avec une analyse du logo de Hytale. Sur ce dernier, Gaia est en haut à gauche et Varine au milieu. La signification des cercles dans la partie droite avec le symbole en forme de point d'interrogation est encore inconnue à ce jour. Mais vous en saurez un peu plus tard dans la vidéo. Commençons avec Gaia, le bon dieu. La présence de Gaia peut être vue à de nombreux endroits dans le trailer et les artworks. J'ai fait quelques recherches au sujet de Gaia, car j'ai déjà entendu ce nom dans d'autres jeux, et il apparaît que Gaia vient de la mythologie grecque. Elle occupe le rôle d'un dieu-mère qui représente la vie. On peut supposer, avec l'aide des concept art, que Gaia est le bon dieu de la vie. Puis il y a Varine, le dieu diabolique. Même si ce n'est pas encore confirmé, je pense que la créature verte que vous voyez à l'écran est Varine. Comme vous pouvez le voir, sa marque figure partout sur cette créature. D'un autre côté, on m'a dit sur Twitter qu'il pouvait également s'agir d'un simple sorcier, ce qui est très probable. Cependant, remarquez comme ce personnage possède la marque vraiment partout. Son armure est brillante et il semble avoir une très bonne maîtrise de la magie. Il ne possède pas de bâton magique ou quoi, mais pourtant on voit de la magie dans sa main. Il existe aussi un concept art de sorcier qui ne ressemble pas du tout à lui. Maintenant, remarquez comme sa tête ressemble au cercle en bas à droite du logo. Deux yeux et un diamant sur le haut de sa tête avec des cheveux éthérés. On peut également régulièrement apercevoir cette marque dans le trailer, les artworks et les screenshots de choses démoniaques. Par exemple, dans le donjon souterrain visible dans le trailer, la porte possède la marque de Gaia, et nous pouvons voir la marque de Varine sur le sommet des colonnes de gauche, laissant penser à une sorte de corruption. Le boss du trailer également a un diamant sur sa poitrine et sur son visage, avec une sorte de magie verte et terrienne émanant de ces derniers, comme celle qu'emploie Varine. Encore une fois, c'est une sorte de corruption de l'un des temples de Gaia. Et si vous regardez attentivement le golem corrompu du temple de Gaia qui apparaît dans le trailer, l'épée plantée dans son épaule semble être une source de corruption. Et que possède l'épée au niveau de son manche? Eh oui, un diamant, la marque de Varine, encore une fois. Les Quebec, qui constitueront selon moi l'un des peuples alliés du jeu, nous demandent de les aider à défaire ce golem corrompu. Maintenant, si on fait quelques suppositions, je pense pouvoir affirmer que cette épée est liée d'une manière ou d'une autre à Varine, et qu'elle est en train de corrompre le golem qui autrefois protégeait le temple. On retrouve également beaucoup d'apparitions de PNJ possédant la marque de Gaia mais semblant démoniaque, alors que Gaia est censée représenter le bien. Maintenant, si on regarde de plus près les choses reliées à Varine, le violet et le vert sont les deux couleurs que l'on voit le plus. Et quelles couleurs voyons-nous quand on regarde les images liées à l'élément du vide? Violet et vert. On le disait tout à l'heure, il existe un thème autour de la corruption dans le jeu. Le concept art s'affichant sur votre écran confirme en quelque sorte le fait qu'il semble y avoir une grande corruption en train de se mettre en place. On voit des gens dans des piscines de corruption, un peuple qui vit avec elle, et la corruption est également de couleur violette, la même que celle du vide et de Varine. Intéressons-nous maintenant à Tessa et Kyros. Sur le concept art leur étant consacré, on peut les voir porter une armure d'officier de Gaia. Cependant, dans le cas de Kyros, elle est ténébreuse, avec un thème de couleur violet. Également, sa couleur alternative est le vert, et l'épée qu'il porte possède la marque de Varine. On peut en déduire que Kyros a été corrompu par Varine, et que c'est pour cette raison que ses yeux sont violets et qu'il est globalement ténébreux. Après tout, il ressemble parfaitement à un méchant, il s'agirait donc d'un officier corrompu de Gaia. Regardez cette image maintenant. Même s'il ne peut s'agir que d'un effet artistique, les yeux du vide en jeu prennent la forme d'un diamant, dont je suis sûr que vous connaissez la signification désormais. On peut également voir sur l'ensemble de l'image une ambiance cauchemardesque, avec une grande tempête qui s'approche. Il peut s'agir d'une sorte d'entrée du vide dans un autre monde. En parlant des autres mondes, appelés Alterverses en anglais, on m'a dit sur Twitter que l'Alterverse Nexus pourrait être le vide, puisqu'il possède ses couleurs.
Mon avis sur la question est qu'au contraire, il s'agit d'un monde complètement corrompu. La raison, le vide est considéré comme un élément, nous l'avons vu plus haut. Et il s'agirait d'un vide bien rempli quand même. Bien que je doive avouer qu'il y a toujours une petite partie de moi qui doute, puisque nous avons vu le dragon du vide à la fin du trailer qui apparaît dans un endroit qu'on pourrait apparenter à Nexus. C'est donc bien possible. Pour finir sur les mondes, Orbis serait un monde normal, Numdrassel serait une sorte de paradis, Torbalin serait le Nether, Karpak serait le monde des abeilles géantes comme on l'a vu dans le trailer, et Nexus serait un monde ancien qui a été complètement corrompu. Et il peut également s'agir du vide. Revenons sur le logo du jeu. Je pense que le cercle en haut à droite est Orbis, ou alors ce que Varin tient dans sa main droite sur le fond d'écran le représentant. De même, les lignes qui vont de la tête de Varin au sommet censé représenter Orbis, aka le monde de Gaïa, sont peut-être un indice de la corruption. Varin attaque Orbis, tentant de la corrompre. Et voilà, la traduction s'arrête ici. Vous l'aurez compris, la théorie est la suivante. Gaïa et Varin sont dans une espèce de combat de dieux, et le joueur est là pour combattre du côté de Gaïa, comme un héros parti dans une mission pour sauver le monde de la corruption de Varin. Nous espérons que cette vidéo théorie vous aura plu. Si vous en souhaitez plus du même genre, ou si vous souhaitez débattre de la théorie, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et pour rester au courant de toutes nos publications et faire partie de la communauté ITLFR, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, Twitter, Facebook, notre groupe Facebook et Instagram. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, c'était Pumpkinman, à plus en LAN.